Bienvenue à cette quatrième soirée de la troisième édition de la Paris Test Conf. Je m'appelle Benjamin Butel, je suis vraiment heureux de faire l'animateur ce soir pour cette dernière soirée. Avant de démarrer, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez poser vos questions aux speakers tout au long de la soirée depuis YouTube par les commentaires. Je les recevrai, je pourrai les poser pour les conférences. Et vous pouvez également aller sur Discord. Si vous souhaitez par la suite discuter avec des gens qui sont déjà connectés sur Discord, sur le Discord de la Paris Test Conf, et potentiellement avec les speakers qui pourront rester sur Discord et également échanger avec vous. Pour démarrer cette soirée, nous allons accueillir Nathanaël Marchand et Mathis Holville, qui viennent de chez Agicap et qui vont nous parler de CI, entre autres de Docker et de GitLab. Bonsoir Mathis et Nathanaël, comment allez-vous ? Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Ça va, merci. Ça va, ouais. Merci. Vous êtes prêts du coup ? Eh bien, c'est parti. Super. Je vais vous laisser la main. Hein. Donc, vous allez nous parler de CI, de GitLab, de Docker, avec une petite démo à la fin, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, je vous lance le partage et puis on se retrouve tout à l'heure. Bonne conférence. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc du coup, je suis Nathanaël Marchand. Je suis développeur chez Agicap, dans l'équipe Team Rocket, on appelle, et c'est l'équipe qui transverse. Donc on s'occupe surtout de support aux autres développeurs, outils transverses et ce genre de développement. Et du coup, voici mon partenaire, Mathis. Yes, bonjour, moi c'est Mathis. Moi, je suis Cloud Architect DevOps chez Agicap depuis un peu plus d'un an, et du coup je bosse sur plusieurs tâches, et en gros je bosse sur la mise en place d'infrastructures et sur la maintenabilité aussi de la production. Très rapidement, avant qu'on parle de la conférence, on va vous parler un petit peu d'Agicap pour vous introduire un petit peu ce qu'on fait, ce qui va vous permettre après de comprendre le contexte. Agicap, donc on est une startup lyonnaise. On est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie. On accompagne nos clients un peu partout en Europe sur des enjeux de suivi de trésorerie essentiellement. Donc en gros, grande partie de l'application, c'est d'ingérer des flux de données, qu'ils soient bancaires ou d'autres flux, pour après en extraire des indicateurs de trésorerie qui vont permettre à nos clients de suivre ou construire des prévisionnels à partir de plusieurs scénarios. Par exemple, je suis un restaurant, je veux recruter plusieurs employés, je vais pouvoir me construire un scénario pour voir si je suis OK en termes de cash. Alors, on fait plein d'autres choses encore, mais on va passer à la conférence, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, avec Nathanaël, on voulait vous parler de comment on a essayé, et puis on verra à la fin si on a réussi, mais comment on a essayé d'améliorer nos tests end-to-end dans un contexte d'hypercroissance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez Agicap, on a doublé les effectifs en un an. Moi, quand je suis arrivé, je crois qu'on était une soixantaine au niveau de la boîte. Aujourd'hui, je crois qu'on est entre 250 et 300. Donc voilà, pour vous donner un petit peu l'échelle. Et donc, on va voir tout au long de la conférence comment on s'y est pris avec une petite mise en situation démo à la fin. Alors, du coup, chez Agicap, nous, on démarrait avec deux enjeux importants qui sont le Have an Impact et Reach for Excellence.
L'idée de ces deux enjeux, c'était de se dire que l'idée, c'est d'avoir le plus d'impact auprès de nos clients. Ça, c'était une valeur vraiment très forte chez nous. Et de constamment livrer des features pour nos clients qui soient fiables, stables et qui soient du coup testés, ce qui nous amène à parler test. Mais l'idée, c'est vraiment que nous, on a beaucoup, beaucoup, et les développeurs chez Agicap ont beaucoup de tests, une succession de tests. Même nous, côté infra, on en a beaucoup. Et c'est ce qu'on va vous présenter, aujourd'hui. Alors, d'un point de vue test, et surtout pour d'un point de vue dev, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la pyramide de test ou le diamant de test. Donc nous, on a choisi plutôt une structure diamant, et à la base de cette structure, donc on a les tests unitaires, on a un nombre qui est quand même relativement modéré. C'est des tests qui sont très rapides à exécuter, qui peuvent s'exécuter en tâche de fond dans l'IDE. L'idée, c'est pas les tests qui nous importent le plus parce qu'ils ont peu de valeur pour le métier. Ils nous permettent surtout de tester des classes un peu techniques ou de tester des morceaux de code. Mais ce qui va plus nous intéresser, et c'est là où on en a le plus, c'est les tests d'acceptance. Ça nous permet, nous, de valider les fonctionnalités métiers. Ce sont des tests qui sont rédigés dans nos user stories par le produit. Et donc, du coup, ça constitue la plupart de nos tests. Ils sont toujours très rapides à exécuter également. Mais c'est vraiment ce qui constitue le gros. Ensuite, on a les tests d'intégration qui nous permet de tester nos composants, nos différents composants, en fait, le microservice avec ses dépendances. Et donc, du coup, là, ça permet d'ajouter la couche qui est vraiment la couche, les couches physiques telles que l'HTTP, le bus de messages ou une vraie base de données. Et enfin, on a les tests end-to-end, ceux qui nous concernent aujourd'hui, qui sont les tests qui ont le plus de valeur pour nos clients, puisque ce sont vraiment des scénarios que nos clients peuvent faire. Donc, on le verra tout à l'heure, par exemple, le scénario dont on s'inscrit sur la solution Agicap. Bah, du coup, c'est des scénarios qui sont utilisés tous les jours par nos clients en production. Et donc, du coup, c'est eux qui nous reflètent vraiment ce que vont faire les clients, et c'est pour ça qu'ils ont une énorme valeur. Malheureusement, en fait, plus on monte, alors là, plus on descend dans cette pyramide de tests ou dans ce diamant, plus les tests vont être longs à exécuter, ils vont être aussi potentiellement fragiles à maintenir, puisque bah là, on vous détaillera un petit peu après, mais ces tests se basent par exemple sur le HTML, et des fois, ça peut poser des problèmes. Alors, on est parti au début de l'aventure end-to-end. On avait, donc, je l'ai pas précisé en introduction, mais moi je suis arrivé à Agicap en mars cette année, et donc du coup, on a fait le constat un petit peu après que je sois arrivé que bah, les tests, ils étaient pas satisfaisants pour plusieurs raisons. Déjà, on teste sur un environnement déployé. On a des tests rédigés en Gherkin qui sont pilotés par du coup Selenium, et on fait des scénarios avec un compte utilisateur bien précis qui est le même pour tous les tests. Donc, ça nous a posé quelques petits soucis. Les voici. Donc, le premier, c'est que ça nécessite un environnement déployé. Et donc, cet environnement déployé, il faut le figer le temps des tests. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une relivraison sur cet environnement. Donc, si on le fait sur l'environnement de recette, eh ben, ça veut dire qu'on ne peut pas relivrer un nouveau fixe qui viendrait sur la recette. Pareil sur l'environnement de développement, on était obligé de les jouer à des heures qui n'étaient pas celles où les gens travaillaient ou relivraient. Et donc, du coup, on avait un petit problème de boucle de feedback qui n'était pas terrible. Donc, ce qu'on a envisagé, c'est de rendre déjà paramétrables les tests et de mettre en état l'environnement pour qu'on puisse créer des environnements et les jouer sur ces environnements et éventuellement détruire ces environnements. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on parle de Selenium. Donc, Selenium, c'est un outil qui pilote un Chrome, notamment. Le problème, c'est que entre les différents devs, parce que chez Agicap, on a à peu près toutes les OS possibles. On a du Linux, on a du Windows, on a du Mac pour les développeurs. Et donc, selon la préférence de chacun, bah, le système d'exploitation n'est pas le même. Les versions de Chrome ne sont pas les mêmes. Le comportement, des fois, pouvait être un peu erratique entre la CI et le comportement local. Et donc, du coup, ça posait plein de problèmes parce que on était vraiment des fois impuissants face à des différences de comportement.
En plus de ça, donc comme je le disais, Selenium se base pour, par exemple, simuler un clic d'utilisateur, il va se baser sur le HTML qui est rendu. Et donc, il va falloir sélectionner correctement le bouton. Et pour ça, on utilise des sélecteurs qui se basent sur vraiment les IDs HTML, sur des balises, sur les balises, etc. Et donc, des fois, il se peut que suite à un changement d'implémentation technique, avant on utilisait un bouton, maintenant c'est une image pour faire ce process, une image cliquable. Et ben, ce changement d'implémentation en fait va casser le test, bien que fonctionnellement, ben, on n'ait pas changé le flow utilisateur, ben le test ne va plus marcher parce que techniquement l'implémentation n'est plus la même. Du coup, on a envisagé plusieurs choses. C'était fixer l'environnement en fixant le Chrome et l'environnement dans lequel tourne ce Chrome. Et ensuite, travailler aussi sur des sélecteurs qui sont plus orientés métier et non technique. Donc, c'est-à-dire qu'on va annoter notre code HTML et tous nos composants du design système Agicap pour que ce soit des identifiants non plus techniques, mais purement métier. Donc, si on remplace un bouton par une image, eh ben, l'image aura aussi cet identifiant métier et ça marchera très bien. Ensuite, au niveau des scénarios avec compte utilisateur, bah, le problème c'est que comme c'était le même compte, il fallait jouer à la série et que du coup, bah, ça faisait que l'ensemble des tests était très long. On comptait en heures parce qu'en plus, il fallait remettre en état chaque test pour que bah, l'état d'un test précédent n'altère pas le comportement de notre test suivant. Donc, pour ça, on a envisagé plusieurs solutions, notamment de paralléliser les tests et d'isoler les différents tests. Donc, l'idée, ce serait que finalement, chaque test soit dans sa petite coquille, indépendant des autres, et qu'il puisse s'exécuter sans effet de bord sur les autres tests. Donc, bah, voici les constats, nos idées de pistes, et je vais laisser Mathis bah, nous présenter ce qu'on a réussi à faire pour mettre en place tout ça. Effectivement, donc la première piste, si tu peux, ouais, nickel. Donc la première piste, Nathanaël parlait de coquille tout à l'heure, donc d'isoler chaque test dans sa propre coquille et parlait aussi de divergence au niveau des OS. Donc là, on s'est orienté dans un premier temps sur de la containerisation, ce qui a été notre première réponse, c'est de se dire, ok, on a beaucoup trop de divergences dans les versions de Chrome, dans les OS, on va containeriser. Donc on s'est basé sur Docker pour ça. On a containerisé l'ensemble de nos applications pour pouvoir les exécuter ensuite et sauvegarder du coup les versions des OS précises. Après, on avait un besoin de mise en état. Le besoin de mise en état, c'était de se dire que, OK, donc là, on a isolé nos services. Maintenant, il faut qu'on puisse isoler nos dépendances, nos backends. Et pour ce faire, on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir des images. Donc nous, on est sur SQL Server. On avait besoin d'avoir des images SQL Server, des scripts d'initialisation qui allaient spawner des bases avec le minimum vital pour tous les tests et qui allaient nous permettre de pouvoir les isoler aussi. Et le troisième, c'est une isolation d'un point de vue exécution. C'est d'être en capacité de se dire que on a isolé nos services, on a isolé nos backends. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse les paralléliser ensemble. Et donc, pour ce faire, on a utilisé Kubernetes pour orchestrer nos conteneurs, Docker Compose et Kubernetes. Donc, concrètement, au niveau de l'infrastructure, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Je vais essayer de vous expliquer le flow en étant le moins technique possible. L'idée, c'est que du coup, nous, on a du GitLab aujourd'hui et on a du GitLab CI. On a des runners GitLab, donc c'est des agents qui vont être à l'écoute des événements que GitLab va envoyer. Donc, par exemple, Nathanael, quand il développe un nouveau test end-to-end, il va commiter sur son repository, ce qui va envoyer un événement à un runner, et ce runner, ensuite, lui, va être en capacité de dire, OK, Nathanael a besoin d'exécuter 30 tests, je vais donc lancer 30 exécutions de tests sur des machines, donc sur des VM différentes. Donc le runner va spawner au travers de Kubernetes, va demander à Kubernetes de déployer 30 machines, si on a 30 tests, pour pouvoir exécuter un test sur chaque machine en parallèle. Donc ça, c'était pour la partie infrastructure. Et ensuite, du coup, on va vous montrer, on va vous présenter une mise en situation slash démo
qu'on a préparé pour vous visualiser un peu tout ça. Alors, le premier point, c'est qu'on va regarder, alors je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus lisible, on va regarder un petit peu l'état de nos tests, et notamment, comme j'ai expliqué, on va avoir des tests qui sont plutôt orientés métiers. Alors là, j'ai ouvert un test, un scénario, enfin, des scénarios d'exemple sur la feature d'enregistrement. Donc c'est le pipeline d'enregistrement, le tunnel d'enregistrement d'un nouvel utilisateur. Donc on veut vérifier plusieurs scénarios, par exemple, là c'est un cas nominal, quand on s'enregistre, du coup on doit arriver sur la page d'Agicap, sur son dashboard, avec une certaine manière, etc. Vous voyez que ces tests sont vraiment orientés métiers, c'est-à-dire que on les a formulés avec des gens du produit, et ils nous ont vraiment décrit le scénario qu'ils voulaient avoir. Donc une fois que tous ces tests sont écrits, vous les voyez aussi à droite, du coup chaque scénario va représenter un test unitaire qui sera exécuté. Alors c'est un peu petit, hein, je pense, avec le stream, mais vous voyez que en gros tous les scénarios sont déclinés en test, et ça c'est pour la première partie, purement rédaction test. La deuxième partie, c'est comment on va orchestrer notre Docker Compose. L'idée, c'est que le Docker Compose se déclenche dès qu'un test se lance, en prérequis du test, on va dire, et qui va être orchestré par le framework de test. Donc, on a décidé, du coup, comme disait Mathis, d'utiliser Docker Compose, mais éventuellement aussi de pouvoir débrancher Docker Compose si on veut, par exemple, faire un truc sur sa machine, débugger une instance locale d'un service. Il est aussi possible de faire ça. Donc, c'est cette condition. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le Docker Compose, et donc du coup, on va faire un Docker Compose pool pour récupérer les dernières versions de toutes les images qui nous intéressent, donc toutes les images de toute notre stack Agicap, donc tous nos microservices, plus les services d'infrastructure, et on verra juste après également Selenium. Ensuite, une fois qu'on a récupéré la dernière version de toutes les images, on peut faire un Compose up qui va démarrer tous ces conteneurs et balancer toute la magie qui doit s'opérer. Au bout d'un certain temps, on va attendre que notamment les scripts de base de données se jouent, puisque en fait tous nos conteneurs d'applications métiers contiennent à la fois l'application et aussi leur script de base de données qu'ils exécutent pour mettre la base de données dans l'état prévu par le code. Donc on va attendre que tout ça se déroule, et au bout d'un certain temps, en fait, chaque microservice va exposer un endpoint de health check sur lequel il va répondre comme quoi il est prêt. Et à partir du moment où il est prêt, on va pouvoir commencer tout ce qui est un peu plus business, et notamment mettre en état la base. Alors, mettre en état la base, on va créer un utilisateur de test en utilisant des requêtes HTTP. Donc, pourquoi on a décidé de travailler au niveau HTTP plutôt qu'au niveau SQL? C'était bien simple, parce que on avait exploré cette possibilité, on s'est rendu compte qu'il était vite possible quand on crée des données de test niveau SQL, de se retrouver dans une situation, en fait, où on a des données de test qui sont impossibles à reproduire dans une situation, par une succession d'actions qu'un utilisateur ferait. Par exemple, avec une combinatoire qui est impossible par le test, par le code d'un point de vue métier, mais du coup qu'on aurait inséré. Donc on a décidé de faire que avec des commandes que l'utilisateur pourrait faire via l'interface, mais en tout cas, ce sont une mise en situation avec du HTTP. Nathanaël, je me permets de te couper deux secondes. On me dit dans l'oreillette qu'il y a un peu de grésillement sur ton micro. Ah, c'est mieux là. Je pense. Débranche, rebranche, je pense. Si je rebranche, ça va être. Alors, je vais essayer, mais j'ai peur que ça va être un peu la galère. Parce qu'elle est planquée en plus. Ah non, elle est reprise. Ah, on t'entend plus du tout. Non. Ah, c'est bon, vas-y. C'est bon là? Ouais, ça grésille encore un peu. Continuons comme ça, c'est pas okay. Très grave. Ça marche, bon. Du coup, on va mettre en situation donc, avec les requêtes HTTP. Et au final, après, le test va pouvoir s'exécuter dans le Selenium, piloté du coup par nos scénarios. Ensuite, du
coup, au niveau du Docker Compose qui va être exécuté, alors, voici un exemple, il est un peu long et fastidieux, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il contient tous nos différents services métiers qu'on voit ici, et avec l'image qui est configurable. Ici, on indique que l'image, c'est une variable d'environnement user permission, par exemple, mais qu'on précise si elle n'existe pas, et qu'on a également les services d'infrastructure tels que RabbitMQ pour notre broker de messages, SQL Server, un reverse proxy pour avoir du HTTPS à l'intérieur de la stack, et puis, comme je l'indiquais, Selenium, qu'on fixe à une version particulière, avec une taille d'écran et un fuseau horaire bien précis pour que nos tests soient reproductibles. Et le dernier point, c'est d'avoir le recorder Selenium qui permet d'enregistrer, on verra à quoi ça sert. Donc là, on a tous les ingrédients pour faire nos tests en local. On va voir comment on décline ça sur l'usine de test. Alors le premier point, c'est de réussir à faire en sorte que GitLab comprenne de manière dynamique, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire un pipeline où à chaque fois qu'on rajoute un test, il faut aller l'ajouter dans le pipeline. Donc l'idée, c'est de générer automatiquement un pipeline, et pour ça, au moment du build, alors ça c'est le projet de test unitaire, enfin ou test end-to-end en l'occurrence, qui va, au moment de cette compilation, il va non seulement générer la DLL de test, mais il va également générer à côté d'elle un petit fichier JSON qui va contenir la liste de tous les tests qui sont contenus dedans, en examinant la DLL de test. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser ce JSON pour le transformer après dans un format qui sera intelligible par GitLab. Et donc du coup, ça nous amène à ce pipeline-là, à ces différentes images que va présenter Mathis. Yes, merci. Donc du coup, effectivement, donc là, on se retrouve sur la UI de GitLab. Donc on est dans un contexte où on a un nouvel événement sur notre repository. Et donc là, GitLab a interprété le premier pipeline, qui est le pipeline de préparation. Il y a deux pipelines, comme l'a expliqué Nathanaël. Il y a un pipeline de préparation à l'exécution des tests. Et ensuite, il y a un second pipeline, qui est un pipeline enfant, sur l'exécution en lui-même des tests. Dans ce pipeline de préparation, on va retrouver pas mal de steps. Il y en a un que Nathanaël vous montre à l'écran, qui est de savoir quelles images on veut tester. C'est très important, puisque d'un contexte à l'autre, on va être en capacité de tester soit des images de devs, qui émanent d'un développement au niveau des devs, soit d'une image qui est en pré-prod, donc qui va être promote ensuite en prod. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on va tester un contexte d'images de pré-prod et vous retrouvez la liste du coup des images à l'écran. Une fois qu'on a ces images-là, on a validé cette préparation, on a besoin aussi de lister les tests. Donc là, c'est aussi ce que Nathanaël vous présentait tout à l'heure, c'est qu'on va compiler la solution qui va générer les DLL de tests, mais aussi un fichier de contexte JSON dans lequel on va retrouver l'ensemble des tests. De cette extraction, donc de cette liste de tests, on va en générer un fichier GitLab, un fichier de pipeline qui va être interprété par GitLab ensuite et qui va nous permettre d'exécuter l'ensemble de nos tests. C'est ce que vous voyez ici dans le trigger test, c'est qu'on indique à GitLab qu'on va exécuter un pipeline enfant à partir d'un YAML généré. Donc ensuite, là, dans le sous-pipeline, donc Nathanaël change d'onglet pour vous, que ce soit plus perceptible pour vous. Mais là, ce que vous voyez, c'est que chaque étape, ce que vous voyez là, chaque brique verte, est un test end-to-end, qui est regroupé en haut en gras par la feature ou par namespace, peu importe. Et vous voyez, bon là, on a une trentaine de tests, il me semble, et l'ensemble de ces briques sont exécutées en parallèle. Donc chaque brique a nécessité, au niveau de Kubernetes, comme je vous expliquais tout à l'heure, une nouvelle machine virtuelle sur laquelle on est venu lancer nos conteneurs et exécuter notre test. Si vous voyez bien, en haut, on a la durée du pipeline que Nathanaël est en train de surligner. Donc on voit que les 30 tests ont été exécutés en 9 minutes. Donc là, étant donné que on est sur du 9 minutes, ce qu'il faut bien se rendre compte,
c'est que 9 minutes 24, en gros, c'est notre test le plus long. Puisqu'en fait, vu que c'est tout en parallèle, c'est notre test le plus long qui a pris 9 minutes 20 ou 30 à peu près. Voilà. Un autre point qui est intéressant, avant qu'on parle en détail de chaque test, c'est le rapport de test. Dans GitLab, vous avez la possibilité aussi, et nous on l'a mis pour les développeurs, d'avoir un overview rapide de l'état d'exécution des tests. Savoir s'ils sont en succès, en erreur, s'ils ont été skip, ou s'il y a eu un problème en fait autre. Le gros avantage de ça, de ce rapport de test, c'est qu'on a automatisé une solution qu'on appelle la météo des tests chez Agicap, et qui tous les matins va venir récupérer ces rapports et notifier les développeurs. Donc nous on utilise Slack pour ça, notifier les développeurs avec l'état de leur test, de leur stratégie de test. Donc maintenant qu'on a parlé un peu du pipeline, on va aller voir en détail un test, les informations qu'on peut retrouver d'un test. Donc dans un premier temps, quand on clique sur l'étape, il nous est logué, il nous a affiché tout ce que le test a fait. Donc si on remonte tout en haut, ce qu'on va voir, c'est ce que Nathanaël vous parlait tout à l'heure, c'est que on a lancé tout le setup de la partie Docker, et ensuite on a exécuté notre DLL, et on peut voir toutes les étapes de notre test end-to-end à l'intérieur de ces logs. Là, vous avez voilà, vous avez un exemple que Nathanaël est en train de vous montrer. Donc ça, c'était pour la partie information. Maintenant, une fois que le test est terminé, on a la possibilité de sauvegarder des artefacts. Et dans ces artefacts, on a fait le choix avec Nathanaël de récupérer 4 infos importantes. La première étant un screenshot de chaque étape. Donc Selenium prend un screenshot de chaque étape du test. Donc là, c'est ce que vous montre Nathanaël à l'écran. On a aussi sauvegardé le HTML de chaque étape qui va permettre aux développeurs de pouvoir ajuster les sélecteurs en fonction ou pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui se passe à certaines étapes. Le troisième artefact qu'on va sauvegarder, c'est les logs de chaque service. Ça, c'est très important aussi, puisque ça va aussi permettre, ça va être une source d'infos en plus pour les développeurs de savoir ce qui s'est passé au niveau du bac ou d'un service en particulier. Et la quatrième, qui est sûrement celle qui va le plus vous parler, c'est une vidéo du test. Donc, Selenium est en capacité de record le flux vidéo du navigateur. Et donc, vous allez pouvoir récupérer toutes vos étapes sous format vidéo, pour comprendre un petit peu ce que le test a fait en détail et toutes les étapes par lesquelles il passe. Donc ça, c'était pour la partie mise en situation. On va maintenant passer à la partie résultat. Est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on voulait ou pas? Donc on va faire un petit peu le bilan. Alors, il y a deux points sur lesquels on voulait aborder. Le premier, c'est que forcément, on a gagné, puisque si on s'est lancé dans ce chantier, c'est qu'on avait un petit peu réfléchi en amont, et il y avait 4 points où on savait qu'on allait gagner. Le premier, c'est sur la rapidité des tests. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a un an, moi, quand je suis arrivé, je me rappelle que les tests end-to-end, au-delà du fait que c'était extrêmement coûteux de les lancer, on va voir plus tard pourquoi, mais c'était aussi très long, puisque on les parallélisait pas. Et comme disait Nathanaël au début, je ne vais pas le répéter, mais on devait remettre en état l'ensemble de notre infra et de nos back-ends à la fin de chaque test. Donc, on a gagné énormément en rapidité, puisqu'aujourd'hui, on est sur 9 minutes pour l'ensemble de nos tests. On a aussi gagné aussi au niveau fiabilité, puisque étant donné que maintenant, chaque test a son environnement dédié, on n'est plus du tout embêté par le cycle de déploiement ou le cycle de QA de notre produit ou le cycle de QA de nos développeurs. Chaque test est vraiment isolé, donc forcément, on a gagné en fiabilité. On a aussi gagné en flexibilité sur l'exécution. Avant, les tests end-to-end, on les exécutait vraiment avant les mises en prod ou la nuit, à des heures auxquelles les développeurs travaillent pas. Maintenant, on est en capacité de pouvoir les lancer quand on veut. Donc nous, là, pour l'instant, on a fait le choix de les scheduler à plusieurs moments de la journée pour avoir une boucle de feedback rapide. Mais
À terme, on ne s'empêche pas de pouvoir les exécuter sur chaque MR, Merge Request, ou chaque événement sur nos repositories. Et enfin, on a aussi gagné en termes de maîtrise des coûts, puisqu'en fait, initialement, quand on vous annonce que pour chaque test, on a besoin d'un serveur, ça peut tout de suite faire peur et se dire, on va exploser les coûts. Si on a 100 tests demain, ça va vraiment être très cher. Nous, on est parti sur un mécanisme de serveur jetable, déjà avec Kubernetes. Donc, si le serveur n'est pas utilisé, automatiquement, le scheduler de Kubernetes va le supprimer du pool. Donc, on va arrêter de le payer. Et en plus de ça, on utilise des nœuds préemptifs chez Google, donc spot, des nœuds spot pour les autres cloud providers. Et en gros, c'est des nœuds qui sont en leasing. C'est des nœuds où on a un gros discount dessus. Par contre, on sait que Google, en l'occurrence, peut nous les retirer une fois par jour. Nous, c'était pas un problème en soi, puisque on savait que dans tous les cas, les tests end-to-end n'étaient pas faits pour être exécuté sur le serveur toute la journée. Et même si tel est le cas, on a des mécanismes de retry qui nous permettent de redémarrer des tests si on se fait récupérer notre serveur. Donc ça, c'était sur la partie de ce à quoi on s'y attendait. Et ensuite, il y avait deux points auxquels on s'y attendait pas du tout. C'est sur la partie vidéo notamment et les démos. On s'est rendu compte au travers des feedbacks des développeurs les vidéos étaient aussi utilisées pour faire des démos aux produits ou à d'autres développeurs. Enfin, elles étaient utilisées à un autre usage que pour du debug, pour montrer un petit peu des features du produit ou même les exécutions des tests en particulier. Et la deuxième, auquel on ne s'attendait pas, c'était sur la partie non-régression. Les vidéos et les screenshots sont aussi utilisés pour valider qu'on n'ait pas de non-régression au niveau de notre design système sur AJK. Et enfin, sur ce qu'il nous reste à faire, puisque forcément, il y a forcément toujours des choses à améliorer, on en a identifié trois. Le premier, c'est sur la partie user experience. Donc là, ça s'adresse plutôt à un public de développeurs. On a pensé la solution pour qu'elle soit scalable, parallélisable sur notre usine de CI, un petit peu au détriment, je dirais, de l'expérience développeur. Et donc, du coup, il nous reste à améliorer cette partie pour que les développeurs puissent pleinement profiter de l'outil aussi en local et qu'on ait une boucle de feedback encore plus rapide. Le second, c'était sur les sélecteurs. Donc là, je vais laisser Nathanaël présenter la partie sélecteur, si tu veux bien. Yes. Alors du coup, effectivement, sur les sélecteurs, comme je le disais un peu en préambule, on a commencé un peu à travailler sur cette partie et à rendre la plupart de nos sélecteurs dans le design system ou dans notre application compatibles avec, beaucoup plus orientés métier et non plus technique. Maintenant, c'est quand même un travail de longue haleine et c'est quelque chose qu'il faut faire sur le long cours. Donc du coup, c'est un travail qui est engagé, mais 100% des tests ne sont pas couverts. Et donc du coup, c'est un travail qu'on fait au fur et à mesure en fonction des opportunités de réécrire un test ou d'en rajouter. Donc voilà. Et ensuite, le dernier point qui reste, c'est Selenium Grid, qui est du coup un framework que propose Selenium pour motoriser Selenium. C'est-à-dire que, en fait, vous allez déployer une ferme de Selenium avec différentes configurations, différents OS. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir tester notre application sur différentes plateformes, différentes versions de système d'exploitation, Windows 8, Windows 10, Firefox, Chrome, Internet Explorer. Bon, alors non, pas Internet Explorer parce qu'on ne le supporte plus, mais vous voyez un peu le principe. Avant de passer à la slide de conclusion, Mathis, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as retenu de cette expérience? Quel est le bilan que toi, tu en as fait? Yes, complètement. Du coup, moi, je trouve que c'est réussi, que en tout cas, le pari de départ est réussi, puisque aujourd'hui, on est en capacité de lancer ces tests end-to-end plusieurs fois dans la journée, ce qui n'était pas le cas avant.
On a aussi beaucoup gagné en fiabilité, ce qui nous permet, je trouve, à titre personnel, de quand on met en prod aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup plus serein sur ce qu'on fait par rapport à avant. Donc, que du plus. Le seul point un petit peu négatif, on va dire, de cette expérience, c'est que, comme je le disais, il nous reste encore à améliorer vraiment la partie user experience pour que les devs puissent encore plus profiter de l'outil et qu'on améliore la boucle de feedback. Mais sinon, dans l'ensemble, que du positif, c'est top. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, alors déjà, moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce travail parce que ça a été assez enrichissant comme expérience. Effectivement, en fait, beaucoup de satisfaction sur ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, il nous reste pas mal de travail quand même sur effectivement la user experience. Ce qu'on a identifié, c'est typiquement des use cases où le développeur faisait des tests Selenium un peu en mode exploratoire, c'est-à-dire qu'il va lancer son Chrome et puis lancer le test va s'exécuter et au bout d'un moment le test ne va plus marcher et là certains développeurs aiment bien avoir le Chrome sous les yeux pour aller dans la console faire F12, aller dans la console développeur naviguer, enfin utiliser un peu l'arbre, cliquer là, regarder les données qui sont et donc ça c'est un truc qui est aujourd'hui pas possible. Donc du coup qu'on aimerait beaucoup améliorer. Étant donné que, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, entre le Selenium et le Selenium, enfin le Selenium Recorder qui enregistre la vidéo, du coup il y a un espèce de bureau à distance qui est fait pour que l'un enregistre l'autre. Et ben, je pense qu'il est possible de pouvoir aussi nous se connecter en tant qu'utilisateur de la machine, de se connecter à ce remote desktop pour manipuler le Chrome. Donc ça, ce serait un des moyens de faire qui nous reste à explorer. Et la deuxième chose à faire aussi pour la développeur expérience, c'est si je veux moi par exemple, débugger quelque chose dans une des solutions, enfin un des composants de applicatif. Aujourd'hui, je suis obligé finalement de faire mon commit ou en tout cas de récupérer une image Docker pour la faire tourner. Et je ne peux pas juste dire, je voudrais que ce composant ce soit celui qui est sur ma machine et non pas un qui soit orchestré par Docker. Je vous avais montré la possibilité de lancer sans passer par Compose, mais donc c'est soit tout ou rien, soit je lance tous les services via Compose, soit j'en lance aucun, mais il manque un peu de granularité. Donc c'est le travail là qui, je pense, reste à effectuer. Du coup, voici un peu notre retour d'expérience sur cette mise en place. On a un peu de temps pour des questions. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous dire que, comme on vous l'a expliqué tout au début, à JCAP, on est en forte croissance, on cherche plein de profils, que ce soit du dev, du SRE, DevOps, ou même des profils moins techniques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ce QR code pour voir toutes les offres. Je crois j'ai regardé tout à l'heure quand j'ai fait la slide, il y a 135 postes à pourvoir en ce moment à JCAP. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse d'être challengé sur ce genre de situation. Et puis du coup on va prendre les questions. Alors moi je vois pas les questions parce que du coup je présente les slides, mais si C'est Mathis normal, tu veux les Nathanaël. lire. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment super intéressant. Moi, ça me parle en plus. GitLab CI, je le connais pas mal aussi. On a quelques questions, effectivement. Mimoun, on fire sur les questions. Je vais commencer par la première. Mimoun se demande comment est mis à disposition cette infrastructure dans le cycle de développement. Alors, on l'a brièvement expliqué un peu à la fin. Aujourd'hui, les tâches sont schedulées. Grosso modo, ce qu'on a, c'est, on va dire, pour simplifier, on a deux environnements qui sont principaux. C'est l'environnement de développement et l'environnement de recette.
Aujourd'hui, on schedule tout, alors en journée, ça doit être toutes les 2 ou 3 heures, un run sur chacun des environnements. Donc ça tourne plusieurs fois par jour pour que la boucle de feedback soit relativement courte. On est en train d'étudier à ce que lorsqu'on a un build sur chacune des branches, soit de develop ou soit de la recette, pour qu'on puisse lancer à la fin de ce build, soit pour valider la merge request, soit à la fin de ce build, vérifier l'état du merge en fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a ce choix qu'on souhaite un peu améliorer, mais il est déjà pas mal, je trouve. Ok, merci bien. Moi, j'avais une question qui rejoint la deuxième question de Mimoun. Je vais afficher la question de Mimoun ici. C'était effectivement la fréquence. Donc là, vous l'avez dit, c'était à peu près 2 fois par jour, si je comprends bien. C'est Oh, c'est toutes plus que les ça, 2 heures. c'est 3-4 fois par jour Ouais. sur chacun des environnements. Donc, du coup, ça doit faire 6-8 fois D'accord. au total. Et du coup, effectivement, comme le disait Nathanaël, pour l'instant, on n'a pas ouvert l'exécution sur les branches des développeurs, mais par contre, c'est quelque chose qu'on envisage de faire. Parce que vous pourriez très bien, effectivement, à chaque commit, lancer un build et puis à chaque build, Ouais. lancer toute la procédure de test. Alors après, ça pose d'autres solutions, enfin d'autres problèmes et auxquels faut qu'on trouve les solutions. C'est que il se peut que dans des environnements microservices, en fait, la fonctionnalité soit répartie entre plusieurs du coup repositories, puisqu'on est, on a chaque composant à son repository, et que pour que une fonctionnalité marche sur une branche, il faut que le composant dont elle dépend ait aussi la fonctionnalité et qu'elle aussi est sur sa branche. Donc du coup, pour réussir à faire un environnement qui est cohérent, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça aussi que pour le moment, on reste sur develop et sur la branche de recette, parce que créer un environnement cohérent, c'est pas si simple. Parfait, merci bien. Autre question de Mimoun qui se demandait si la prise de screenshot, à un moment donné, vous avez parlé de prise de screenshot et de vidéo, est-ce que vous le faites systématiquement ou juste en cas d'échec? Alors du coup là, le pipeline qu'on a montré, c'est un pipeline où tous les tests sont en succès. Donc on le fait de facto sur les tests en succès. Si je ne m'abuse, on le fait aussi sur les tests en erreur, il me semble. Et pourquoi on le fait en succès et en erreur? Pourquoi les deux? Puisque en fait, comme on le disait juste avant, dans ce à quoi on s'attendait pas. C'est que les screenshots, alors au-delà des screenshots, c'est des vidéos. Quand les tests sont en succès, c'est utilisé pour faire des démos de tout type. Donc on le fait dans les deux cas. Ok. Ouais, puis pour la non-régression, effectivement, c'est utile d'avoir aussi les assets en fait qu'on produit, enfin les artefacts qu'on produit, ouais. Ok, et du coup, moi ça me pose la question, comment vous gérez ce volume d'artefacts? Parce que j'ai vu que vous avez donc, elle est la partie vidéo, mais il y a aussi toute la partie HTML. À force, ça doit faire quand même un certain volume. Comment vous gérez cette partie stockage et pérennité de cette information dans le temps? Yes. Alors du coup, au niveau volumétrie, ce qui va nous être le plus coûteux, ça va être la vidéo en manière générale. Et donc pour ça, on a plusieurs solutions. Donc nous, on a vu qu'on manage nos propres runners, on a des buckets GCS, donc du blob storage, qui nous coûtent très peu cher hein, aujourd'hui. Et donc on va pouvoir stocker ces vidéos dedans. Et sinon, GitLab nous permet aussi de pouvoir stocker directement sur leur infra une partie des artefacts si on le souhaite. Donc on a les deux possibilités pour pouvoir gérer tout ça. Et de facto, on privilégie le bucket GCS dans notre cas, puisqu'on est sur Google. Okay. Ce qui vous permet de mettre du clean automatique au bout d'un certain délai, je suppose. Yes, pour Alors, de l'instant, toute on a. façon, GitLab a des instructions en fait au moment où vous produisez des artefacts. Il y a une durée de vie d'artefacts. Alors, je ne sais pas du tout à combien elle est fixée par défaut, mais grosso modo, ça doit être au bout de, je sais pas, une semaine ou un mois, les artefacts qui n'ont plus trop de sens, bah hop, ils sont nettoyés de manière automatique. On pourrait se dire que finalement, on veut garder qu'un seul jour parce que
Vu que ça tourne relativement fréquemment, bah, ce serait moins pertinent si on était en problème de stockage. Ok, merci. Et toujours dans la même logique sur les échecs, il y avait une deuxième question moi, qui m'était venue en tête tout à l'heure. C'est comment vous gérez justement la reprise sur failover? Parce qu'il y a tout un ensemble de pipelines, tout un ensemble de jobs. N'importe lequel d'entre eux peut échouer pour diverses raisons, légitimes ou illégitimes. Du coup, est-ce que vous avez un mécanisme de retry qui assure le retry, que ce soit le retry par l'outil GitLab, mais aussi faire en sorte que ça redémarre bien les actions. Comment vous avez géré ça? Yes. Alors du coup, moi je vais parler de la partie infra et puis je laisserai Nathanaël parler de la partie près dans le code. Sur la partie infra, effectivement, comme je le disais, étant donné qu'on a des nœuds en leasing, il se peut que pendant l'exécution d'un test, on ait notre nœud qui soit récupéré par Google. Donc pour ça, on utilise les retries GitLab qui vont rescheduler un job, un nouvel événement sur notre runner pour lancer du coup pour relancer le Ok. test impacté. Donc ça, c'est pour la partie infra et puis je te laisse Nathanaël sur la partie code. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Effectivement, dans les tâches GitLab, on définit un retry. Et voilà, donc on a jusqu'à 3 retries, je crois. Parce qu'il se peut qu'il y ait certains tests qui soient un peu fragiles et qui, du coup, alors, on en a de moins en moins parce qu'ils sont réfactorés au fur et à mesure, mais on a des tests qui sont un peu fragiles et du coup, quand on doit tester typiquement des pop-ups qui apparaissent et qui disparaissent au bout d'un certain temps, des fois ils apparaissent trop vite ou ils disparaissent trop vite, donc on retry 3 fois chacun des tests et en tout cas on va essayer de faire enfin tous les jobs comme ils tournent tous en parallèle et qu'il n'y en a aucun qui est interdépendant, on saura que tous les tests ont été exécutés, mais il y en aura peut-être un ou deux qui auront échoué, ou tous, même si on a un changement majeur qu'on n'avait pas vu venir. Et gros, ouais, gros, donc là, on a 33 tests, j'ai vu, donc au maximum, ça fait 100 exécutions de tests. Forcément, ça rallonge un petit peu, parce que ça fait jusqu'à une demi-heure. Mais normalement, ça se passe plutôt bien, et ça retry au maximum 3 fois, quoi. Merci. Et du coup, tu me donnes la transition pour la question suivante de Mimoun, puisqu'il se posait la question des sélecteurs lesquels vous utilisez. Là, tu parlais justement des pop-up qui, des fois, ça va un peu trop vite ou un peu trop lentement. Quelle stratégie de sélecteur, du coup, vous avez mis en place pour essayer de réduire justement ces effets j'ai loupé la fenêtre? Alors du coup, on utilise des requêtes XPath, donc qui est un mode de requêtage pour aller chercher un nœud précis du HTML ou du XML à la base. Et donc du coup, avant, on se basait soit sur les IDs, soit le nom HTML de la balise, donc un button, un A, un span, etc. Maintenant, on a décidé uniquement d'avoir un test qui s'appelle DataTest, DataTest ID, je crois. Alors c'est un choix qui a été fait du coup de rajouter ça. C'est pareil, il y a eu plusieurs discussions en fait qui sont assez intéressantes. Ça veut dire que aujourd'hui dans notre code de production finalement on a des sélecteurs qui nous permettraient de faire ces tests parce qu'on rebuild pas un build spécial pour sans les attributs là pour la production. On utilise le même build que la production. Du coup, c'est le plus simple. Maintenant, un chantier qui me semblerait pertinent, parce que là-dessus, il nous reste un peu à faire quand même. Enfin, il nous reste même beaucoup à faire. C'est plutôt sur le chantier de l'accessibilité. Et donc, du coup, un des moyens de tester aussi, à voir en pratique, hein, mais j'ai déjà vu évoquer, c'est d'utiliser des sélecteurs d'accessibilité, donc pour les readers ou enfin les gens qui voient l'internet en braille ou je sais pas en audio description, etc. Ils ont besoin aussi d'avoir des certaines balises dans le code et peut-être que si on fait un travail sur l'accessibilité, on pourra éventuellement switcher sur ça. Très bien, merci bien. Je vais changer de personne qui pose la question. Diana, qui se pose la question, vous avez effectivement à un moment donné, vous avez parlé de pas mal de tests sur différentes configurations, notamment Windows et navigateurs. Vous n'êtes pas sport de ne pas vouloir supporter U11.
Il reste quelques mois à vivre. Mais au-delà du 11, est-ce que vous avez un scope mobile dans votre giron à supporter? Est-ce que vous l'avez automatisé? Et si oui, comment? Alors du coup, aujourd'hui, non, on l'a pas automatisé. On a un scope mobile, non, c'est pas pour l'instant dans notre pipe. Maintenant, ce serait pas impossible de le faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait ce genre de truc pour une autre société, mais non, aujourd'hui, c'est pas dans le scope et du coup, on n'a pas automatisé cette partie. Très bien, merci. Deuxième question de Diana, et qui est effectivement assez pertinente. Au final, toute cette infrastructure, même si vous détruisez à la volée pour réduire les coûts, est-ce que vous auriez une fourchette à me partager de Oui, combien ça coûte? alors du coup, c'est assez compliqué à donner des chiffres précis, même une fourchette, c'est compliqué quand on fait du Kubernetes. Maintenant, moi, ce que j'avais regardé, c'était qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que ce qu'on paye, c'est le temps d'exécution du test. Donc si on part du principe qu'un test fait 9 minutes, et que je fais un calcul que j'ai déjà préparé, et je fais un calcul un peu grosse maille, ça me coûte 40 centimes par exécution de test. Donc si un test fait 9 minutes, aujourd'hui c'est 40 centimes l'exécution. Autour de ça, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Il y a le runner Kubernetes qui lui n'est pas jetable, parce que lui il est en charge de récupérer tous les événements, puis d'exécuter les jobs sur du jetable. Donc ça doit représenter, on n'a pas besoin de grosses machines, donc ça représente une trentaine de dollars par mois, un runner. Donc il faut ajouter ce coût-là, mais par contre un test de 9 minutes, c'est 40 centimes. Ok, moi j'avais encore deux petites questions que je m'étais notées. Au tout début de la présentation, vous avez parlé justement de toute la partie build de l'applicatif. Je me suis posé la question si vous faisiez également le build d'images contenant le code de test et les navigateurs cibles. Alors du coup, dans nos images Docker aujourd'hui, étant donné que c'est les images Docker qui vont être exécutées par le test et qui vont potentiellement être promotes dans les autres environnements, nous on met que ce qui est nécessaire à l'intérieur. On ne vient pas surcharger nos images avec de la donne autour, un Chromium, un Selenium et autres. On ne met pas. Donc j'aurais tendance à dire que non, on build pas nos images avec les confs des navigateurs. D'accord, donc du coup les navigateurs sont portés par la VM sur laquelle est exécuté le test. C'est directement dans le nom de l'image de Selenium en fait. Alors ça se voyait pas forcément, mais dans le nom de l'image Selenium qu'on utilisait, c'était celle qui ont marqué Chrome. Voilà, c'était l'image, c'était Selenium Standalone Chrome. Donc c'était elle qui est. Alors du coup. Du coup, ouais, voilà, on est retourné dessus. On voit que c'est Selenium Standalone Chrome. Et si on va regarder dans le Docker Hub, on verra quelle version de Chrome elle a. Mais il me semble qu'on peut préciser, du coup, avec un Chrome 95 ou un truc comme ça, il y a des tags qui existent qui permettent de choisir finement la version de Chrome qu'on voudrait. Mais en tout cas, le Chrome, il est juste dans le Selenium et du coup, on choisit la version qu'on veut ou on prend la latest si on met un tag aussi existe que celui qu'on a choisi. Ok, Et du coup, il y super, a aussi merci pour. un standalone Firefox aussi qui doit exister, un standalone Edge. Moi, je pense qu'il doit y avoir du Opera aussi, je pense qu'il doit y avoir du. Je pense qu'IE 11 doit exister aussi, à mon avis. Super, et ben je vous remercie Après, ça nous posait beaucoup. d'autres problèmes. Oui, vas-y. IE en fait nous posait des problèmes parce que du coup le conteneur, il faudrait un runner Windows, enfin des nœuds Windows dans Kubernetes et ça c'est une autre paire de manches, dire. Ouais, complètement. Aujourd'hui, vous faites que du. Vous faites pas de Windows du tout, du coup? On fait du .NET sur notre stack, mais on est sur du Linux. On est sur du .NET Core et on est sur du full Linux. Ok.
Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je n'ai plus de questions. Et puis, de toute façon, il va être l'heure pile poil pour la petite pause. Ben, je vous remercie beaucoup, Mathis, Nathanaël, pour cette super conférence. Et puis, ben, je Merci vous à vous. souhaite Merci à vous. une bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Bye. Au revoir. Hop. Donc, prochaine conférence, on va accueillir Valentin Guerlesquin, mais on va d'abord faire une petite pause de 5-6 minutes selon l'heure que vous avez. Et on redémarre à 19h précisément. À tout à l'heure.